Donc je viens de sortir L'enfant et la rivière aux éditions Sarbacane. C'est une adaptation de ce roman qu'on a quasiment tous lu enfant, entre 10 et 12 ans. C'est une belle quête initiatique qui raconte l'aventure d'un jeune enfant qui a un interdit, c'est de sortir de chez lui et aller s'aventurer près de la rivière. Et forcément, il va le faire, sinon il n'y aurait pas de livre. Et là, il va découvrir un jeune garçon qui va vraiment l'initier à la vie en communauté et puis à la découverte de la nature. Donc c'est une belle histoire que j'étais ravi d'adapter. L'éditeur connaissait mon travail que j'avais fait précédemment chez Casterman. Et en relisant L'enfant et la rivière, il a vu des proximités entre mon univers graphique et l'univers du roman. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé parce que du coup, j'ai relu le roman et tout de suite, j'ai vraiment eu envie de prendre les crayons et j'étais ravi de faire cette histoire parce que c'est très poétique. Je l'avais lu enfant, ça m'avait beaucoup marqué et je l'avais un peu mis de côté, je dois dire. En le relisant, je n'ai pas du tout eu les mêmes souvenirs de lecture que ceux que j'avais eu enfant. C'est un roman qui a différents niveaux de lecture et c'est ce qui a été un peu compliqué dans l'adaptation en BD. C'est que je voulais conserver ça, c'est que c'est pour moi une BD tout public, plutôt presque à destination des adultes, mais que les enfants peuvent lire aussi et chacun y verra ce qu'il veut. J'ai surtout travaillé les couleurs en fait dans cette adaptation. Pour moi, c'était le plus important, comme je représente dans la majeure partie du livre la nature. Je voulais qu'on puisse sentir l'évolution au sein d'une même journée avec les différentes tonalités du soleil sur les arbres. Et ça a été le plus gros travail que j'ai fait en fait. C'est vrai que c'est un travail assez pénible de se balader dans la nature et se demander quelle couleur on va utiliser le lendemain pour ces planches. Mais pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus important dans la retranscription. Chaque livre est une sorte de nouveau défi en fait. C'est vrai que c'est la première fois que j'adaptais un roman. Et avant ça, j'avais plus fait des biographies, ce qui n'est vraiment pas du tout le même travail. Sur L'enfant et la rivière, c'est un roman assez court, donc j'ai pu en conserver l'essence. Après, c'était important de moderniser quelques aspects, mais pas trop, parce que ce qui m'intéressait dans le roman, c'était le côté désuet et hors du temps. Je voulais vraiment garder ça, je ne voulais pas situer l'histoire tout à fait aujourd'hui, et puis ça ne marcherait pas, parce que c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui rêve de voir la nature, et si je l'avais situé aujourd'hui, je pense que ça ne marcherait pas, quoi. L'enfant préfère rester enfermé dans sa chambre avec la dernière PlayStation. Et sur Egon Schiele, le travail avait été complètement différent. C'était ma première BD, donc déjà je découvrais le scénario, je découvrais la mise en page, ça a été très formateur pour moi. Et la vie d'Egon Schiele, on ne la connaît que dans les grandes lignes, donc j'avais juste une base et beaucoup de choses à combler. Avec L'enfant et la rivière, j'ai plus fait une sorte de tri dans ce qui m'intéressait le plus dans la représentation graphique. C'est vraiment deux travaux complètement différents. J'ai beaucoup de lecteurs qui viennent me voir, qui avaient lu le roman enfant, et c'est vraiment des personnes de tous âges, de 7 à 77 ans, comme on dit, et ils ont retrouvé des souvenirs de lecture enfant, en fait. Donc c'est assez chouette. Je pense que j'espère réussi à ne pas dénaturer le livre. Enfin, c'était vraiment ma volonté propre. C'est un livre qui appelle beaucoup les images. Donc par moments, j'ai pu me permettre des libertés dans certaines scènes nocturnes, notamment où on voit que les deux enfants ont dérivé sur une barque. C'est des passages très rapides dans le roman, mais sur lesquels je voulais insister parce que je voyais un potentiel graphique et assez poétique à exploiter là-dedans. Je ne prends pas de pause, du coup j'ai déjà enchaîné sur un nouvel album. Ce sera une biographie très romancée de Gustave Eiffel, où on va vraiment le suivre sur toute sa vie. Mais je travaille avec un ami au scénario et c'est assez chouette parce qu'il est dessinateur aussi, donc on a un vrai ping-pong. On va lancer une idée chacun de notre côté, il va intervenir sur les dessins et c'est un projet vraiment chouette qui devrait voir le jour normalement à la fin de l'année.